tout le monde, on est le 11 janvier. Donc aujourd'hui on est le 11 avril, puis c'est ma dernière semaine avant de recommencer à travailler à la crèmerie. Donc l'année passée je travaillais dans une crèmerie l'été passé, puis là je vais recommencer aussi dimanche. Sauf que là, à partir du dimanche, je vais avoir deux jobs. Je vais avoir ma job à l'école la journée, puis le soir je vais travailler à la crèmerie. Fait que ça va être épuisant et ça va prendre beaucoup de mon temps. Fait que je sais pas à quel point j'aurai du temps et de la motivation pour faire mes projets. Fait qu'on va espérer que ça fonctionne, puis que j'ai quand même envie de faire d'autres vlogs puis d'autres vidéos, mais on verra ce que ça donne. Normalement j'utilise cette pause pour dîner, mais là j'ai dîné à l'école ce matin, fait que j'ai ma pause à moi. Je pense que ce que je vais faire, j'ai envie de faire du saxophone. Fait que c'est ça, je vais vous amener avec moi, on va faire du saxophone. Mes partitions, on va jouer la première sur dessus, pourquoi pas. What's wrong with you? Il y a un problème avec mon mi, je sais pas quoi. Bon, je pense que c'est mon ange. Après mûre réflexion, fa c'est ré. Donc, la gamme de fa dièse, ça va être ré dièse. Là, mon problème d'ange ne s'arrange pas. Soit mes anges sont vraiment un problème, soit c'est moi qui sais plus jouer du saxophone. Juste mon fa et mon mi, genre ça qui me fait chier, je comprends pas. Ok, ça se peut-tu que ça passe d'arbre des anges? Même si c'est parce que je l'ai même pas ouvert celle-là. 2018. Peut-être ça le problème. Yes! Hey, j'ai plus de bouche. Ça marche plus. Ah, faut que j'en fasse plus souvent, ça veut dire, parce que là, ma bouche est plus habituée. Bon, j'ai réglé les problèmes de saxophone. Je pense que je suis juste plus assez habituée. Puis les anges sont comme trop fortes vu que je me suis déshabituée à jouer du sax. Parce que la dernière fois que j'ai joué, c'était au mois de novembre. Mon basic plan du garde-robe, je vous explique. Et donc on ouvre la lumière, on met le pot de nettoyant gel moussant ici, puis après ça tu mets ton sel là, et puis ça fait un plan insane de genre toute ma chambre. Et voilà comment on fait un plan comme une pro. Puis là je vais faire un petit 2 minutes de moi qui fait un petit plus, genre un 5-10 minutes de moi qui fait du montage, puis après je vais avoir mon plan pour faire mon montage. C'est juste pas génial. Ma chambre est full en or en ce moment. Est-ce que je devrais faire un room tour? Dites-le moi dans les commentaires. Petite pause dans mon vidéo pour vous parler de cette application-là que je trouve géniale. Ça s'appelle Yampad. Ça me permet de comme utiliser mon iPad comme deuxième écran pour mon ordi. Puis c'est la chose la plus pratique quand tu fais du montage. Je peux comme éditer mes images avec mon crayon. C'est genre parfait honnêtement. Fait que Yampad et Yam Display. Allez, installer ça, c'est trop cool. Allô, alors on est mardi, puis là je suis dans la montagne. Je viens de trouver le meilleur spot pour m'installer pour écrire. Genre, j'avais envie de m'installer dehors, mais je savais pas où. Puis je viens de trouver genre une table dans la montagne, c'est trop cute. Bonjour, on est mardi 19 avril, il neige,
je passe ma journée à l'école, fait que je vais aller écrire un petit peu mon roman. Puis je vais repasser ce soir, je pense. Ceux qui écoutent Drogué du village. Hey, je sais même pas c'est quoi. C'est quoi le Drogué du village? Quelqu'un expliquez-moi parce que je sais pas c'est quel imbécile qui m'a enlevé ma musique là. C'est clairement Edmond. Parce que c'est sûr que c'est Edmond qui écoute des tunes qui s'appellent Drogué de je sais pas quoi. De Grady, de la ville, c'était ça. Bref. J'ai survécu à une première journée à la crèmerie. Puis j'ai une de mes élèves qui est venue commander une crème glacée hier. C'est... ça marche comme pas. Puis elle était aussi confuse, elle était tellement confuse. Puis son père était aussi confus qu'elle. T'en connais? Ouais, en fait, je suis son éducatrice. Je vais aussi des crèmes glacées dans mon temps libre. Puis j'écris un roman, puis je suis 11e au monde en AOTB. Puis... je fais des vidéos sur YouTube. J'ai pas dit tout ça, mais... imaginez que... ceux qui étaient à Asias, là. Imaginez on avait joué ça en harmonie. Ça aurait été cool. Bon, j'aurais clairement eu pas de notes à faire parce que j'étais au saxophone pis que... ça serait clair, c'est les flûtes, là, mais... non, ça on l'aurait peut-être fait, ce bout-là. Ouais, je pense qu'on l'aurait fait, mais avec les flûtes, on aurait été comme la deuxième voix. C'est la musique de This Dark Materials, la série. J'ai même pas encore vu tous les épisodes. Puis on arrive dans Harry Potter. Ça va être l'enfer, pour le montage de ça. J'ai quasiment fini d'écrire ça. Il me reste... un bon total de 25 pages, exactement. Puis je pense que je vais bientôt te rendre à 40 000 mots. Cette semaine, mon défi c'est de terminer mon chapitre 10. Puis c'est-à-dire terminer ce beau cahier. Là maintenant, on est rendu à faire le ménage de ma chambre. Parce que ça paraît pas là, mais c'est un mess total. C'était un peaceful comme musique. Mais comme vous voyez là, fait qu'on va faire le petit ménage de tout ça. Puis je sais pas si je vais vlogger par contre, là je suis un peu fatiguée.